Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va unboxer le deuxième album du groupe 30 Seconds to Mars, hein, donc le groupe de Jared Leto pour ceux qui connaissent pas. Cet album s'appelle A Beautiful Lie qui est sorti à l'origine en 2005. On a ici une édition limitée avec un vinyle rouge à l'intérieur, c'est un gatefold, on le verra ça tout à l'heure. Je retourne ici, hop, on a la tracklist ici. Donc, quelles sont les chansons les plus connues dans cet album-là? C'est Attack, The Kill. Et puis From Yesterday, hein, donc c'est les trois pistes, on va dire, les plus connues de cet album. Donc, deuxième vinyle pour moi de ce groupe que j'achète après le dernier vinyle que j'ai acheté, enfin le dernier album qui s'appelle America. J'ai fait un unboxing. Si vous avez raté ça, je vous mets une annotation pour aller voir ça directement sur ma chaîne. Donc voilà, bref, je vais faire l'unboxing de ce groupe-là. Deuxième album du groupe, comme je le rappelle. Donc là, on arrive à un son vraiment très rock alternatif, hein, de manière générale. Ça abandonne le son du premier album qui était un peu plus metal alternatif, slash space rock, slash rock progressif. Hein, ils avaient fait un espèce de mélange. Premier album que j'ai trouvé un peu brouillon pour ma part, hein, c'est juste mon point de vue. Deuxième album beaucoup plus abouti, avec des pistes beaucoup plus catchy, des pistes qu'on retient vraiment, des pistes qui pourraient être des hits, hein, carrément dans les radios de rock. Donc voilà, bref, en tout cas, un très très bon album. Donc c'est parti pour l'unboxing, sachant que, hop, ça sera pas le dernier vinyle du groupe que j'achèterai et que je ne boxerai sur cette chaîne, vu qu'en fait je compte prendre tous les autres sauf le premier, hein, comme je vous l'ai dit, hein, qui m'a pas forcément plus que cela. Hop. Alors je vous mets le lien Discog, hein, bien sûr, dans la description de la vidéo si vous voulez avoir des infos en plus. Donc là, magnifique avec tous les membres du groupe. Je vais essayer de faire ça pour pas que la lumière reflète trop. Bon, les trucs écrits aussi, je crois que c'est des crédits avec le mastering, machin, tout ça. J'imagine ici c'est pareil. Non, ici c'est un mot. Alors je sais pas si. J'essaierai peut-être de vous faire une photo là, donc je vais vous afficher ça là. Le petit mot là écrit. Hop, ici on l'a vu. Donc c'est parti maintenant, on va retirer. Alors oui, bien sûr, alors, oui, comme il y a forcément un seul vinyle. Il n'y a qu'un seul étui sur sur ce gatefold. Hop. Alors je crois aussi, oui, je vois, il y a une carte de téléchargement, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de vous dire. Donc c'est une édition qui était exclusive à la Fnac en France, hein, cette édition avec ce vinyle rouge. Donc là, le petit code MP3, donc n'hésitez pas à faire pause et à le prendre, hein. Forcément c'est un code à usage unique, si je dis pas de conneries. Donc premier arrivé, premier servi. De toute façon, dès qu'il y a des codes de MP3, je vous les file à chaque fois, vous le savez. Et bon, je le redis pour les nouveaux. Et donc là, on a ce vinyle rouge qui, alors je sais pas, là, je pense que la couleur est assez fidèle à ce que je vois par rapport à la vidéo là. Donc je vois, c'est pas tout à fait rouge, hein. C'est une espèce de rouge rose. Je sais pas quel est le ton de cette couleur. C'est pas du rouge bordeaux. C'est ouais, c'est une espèce de rouge rose presque violet, mais violet très très clair. C'est un mélange entre le rose et le violet. C'est pas rouge fuchsia par hasard. Non, je pense pas que c'est. Je suis pas sûr que c'est cette couleur-là. Mais bon, bref, voilà. Là, vous voyez, là, on a vraiment du rouge, hein, le rouge pétant, hein, à l'intérieur du vinyle, du macaron. Donc on voit quand même une différence. J'espère qu'on la verra bien dans la vidéo. Que c'est pas tout à fait la même teinte. Voilà. Donc, on a juste la tracklist en entière sur un seul macaron. Donc la side A ici et la side B, donc de l'autre côté. Voilà pour l'unboxing de ce vinyle de 30 Seconds to Mars, donc édition limitée. Hein, vous voyez, si je mets un macaron sur la vignette de YouTube, je mets un petit macaron normalement en bas à gauche, un macaron jaune avec le nombre d'exemplaires, si on a bien le nombre d'exemplaires qui a été cité. Autrement, si c'est une édition limitée et qu'on n'a pas le nombre d'exemplaires précis, eh ben, je mettrai juste limited, hein, dans la vignette. Donc je pense que vous aurez compris ça. Voilà. Et voilà, donc on écoute en fond From Yesterday, donc qui est mon titre préféré de l'album et l'un de mes titres préférés du groupe.
Donc voilà, c'est un album qui mérite quand même un sacré coup d'oreille parce que c'est quand même un très très bon album. Voilà, et donc bah, vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes fan du groupe. N'hésitez pas à vous abonner puisque bah, je ferai d'autres vidéos unboxing sur ce groupe avec bah, l'album This Is War et Love, Lust, Faith and Dreams, qui sont mes deux vinyles du groupe que je prendrai. Donc voilà, bref, je vous remercie encore une fois et à la prochaine pour un nouvel unboxing. Salutations.